Aujourd'hui, je vous dévoile une des techniques que j'ai mises au point pour faire mes pains. Je fais ce que j'appelle une mousse à pain. C'est très efficace et je suis très content des résultats. Alors, pour faire une mousse à pain, c'est pas compliqué. On a besoin de levure sèche boulangère, qu'on n'active pas en général. On n'a pas besoin. On va mettre telle quelle dans la farine. Et elle fait très très bien son travail. Pour la mousse à pain, on va l'activer. Pour cet exemple, on va faire une mousse à pain qui sera utilisée pour un pain fait avec 500 g de farine. Donc, les ingrédients que vous allez voir ici seront déduits plus tard sur le restant de la recette. Le but, c'est d'avoir une levure déjà activée, une levure qui a déjà commencé à faire son travail, et je trouve que pour la forme des pains, le goût, c'est vraiment très très efficace. Ce que je voulais absolument, c'était avoir une mousse qui tienne, c'est-à-dire pas trop d'eau et pas trop de farine. Trop d'eau, c'est trop liquide, et on se retrouve avec une mousse qui dévoilera au bout d'un certain temps, 30 minutes, 1 heure, un fond de farine dans le bocal, suivi d'une petite couche d'eau et ensuite une couche de mousse. Si on met trop de farine, on aura un résultat trop pâteux. Donc j'ai fait beaucoup de tests pour trouver une solution, de façon à ce que ça reste de la mousse. Alors, pour un pain qui utilisera 500 g de farine au total, la mousse doit toujours se faire avec 80 g de farine, 10 g de levure, c'est-à-dire la totalité de la levure dont on a besoin pour faire le pain, et 100 g d'eau. Concernant l'eau, si on va faire le pain dans les 3-4 heures qui suivent, on utilise une eau à 35 degrés. Si on veut préparer la mousse la veille, on utilisera une eau à température ambiante. Pour les mousses de la veille, on refermera le bocal après avoir bien tout mélangé. Si on va utiliser notre mousse dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, on peut la laisser monter sans fermer le couvercle, il n'y a pas de souci. La base de mes mousses pour aujourd'hui, par exemple, cette farine T65. Donc, ici, c'est uniquement cette farine T65. Ici, c'est 30 g de cette farine T65 et 50 g de farine de seigle T150. Et pour cette mousse ici, 30 g de la T65 et 50 g de farine complète T150. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on déduira la quantité de farine et d'eau du reste de la recette. Ce que je fais en général quand je prépare un pain avec une mousse,
Je fais avec le reste de la farine et le reste d'eau une autolyse, c'est-à-dire que je vais mélanger uniquement l'eau et la farine dans mon robot et je vais laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. Et c'est dans cette pâte que je viendrai ensuite ajouter ma mousse. Donc évidemment, dans la partie qui est faite au robot pour l'autolyse, on pourra soit utiliser uniquement la T65, mais on pourra également rajouter d'autres choses. Si on veut encore rajouter du seigle, on pourra. Et si on veut encore rajouter de la T150, on pourra également voir une autre farine. Concernant le sel, il sera ajouté au dernier moment. Quand j'aurai pré-mélangé ma mousse avec mon autolyse, c'est seulement à ce moment-là que j'ajouterai le sel et directement derrière, je fais le pétrissage final de ma pâte. Maintenant, on va préparer les mousses. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je commence avec 100 g d'eau dans chacun de mes bocaux. Et je vais la chauffer à 35 degrés, quelques secondes au micro-ondes. Mon eau est à 35 degrés. Maintenant, je vais verser en premier la levure. Donc, la totalité de la levure qui doit aller dans mon pain. Tout de suite derrière, je vais verser ma farine. Voilà. Donc, T65 uniquement, T65 avec du seigle, T65 avec de la farine complète T150. Maintenant, on va mélanger. On gratte les parois du bocal et on continue le mélange. Voilà, comme ça c'est suffisant, ça donne, je vais vous montrer. Je ne remue pas directement avec la spatule dans les autres. Je vais d'abord la rincer pour ne pas fausser mon travail. Donc vous voyez, ça donne un mélange comme ceci. Je ne vais pas vous remontrer le mélange des deux autres. Je vais couper la caméra, le faire. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes trois mélanges sont faits. Avec évidemment le bocal avec le seigle plus pâteux. Et la farine complète, on va dire entre le pâteux du seigle et le plus liquide de la T65. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en l'espace de 30 minutes. Vous venez de voir 12 minutes de levée de la mousse.
On va poursuivre. Voilà, vous venez d'assister à 30 minutes de lever de ces trois mousses. Alors, en principe, il faut environ de 30 minutes à 1 heure pour que la mousse atteigne son maximum. Ça dépend des farines, ça dépend des mélanges. À partir du moment où elle a atteint son maximum, elle va stagner entre 3 et 5 heures. C'est-à-dire qu'elle va rester dans l'état où vous la voyez là, de 3 à 5 heures, toujours selon les farines et les mélanges. Et ensuite, elle va commencer à retomber. Donc, on peut l'utiliser tout de suite, mais on peut également prendre son temps. Quand je fais des mousses la veille, donc je mets le couvercle, et forcément la veille elle est retombée. Elle peut retomber, par exemple pour une farine comme ça, elle peut retomber jusqu'ici. Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours bien actif. Donc là on a une levure qui a faim et qui a soif. Et qui ne demande plus qu'à être nourri. Vous voyez, là on a quelque chose d'assez liquide. Ici c'est du seigle, c'est plus pâteux. Ici, entre liquide et pâteux, c'est de la farine complète. Alors pour aujourd'hui, j'ai déjà fait mes pains, donc je n'aurai pas besoin de ces trois mousses. Je vais fermer mes bocaux et je vais les dater, noter ce qu'il y a à l'intérieur et les placer au réfrigérateur. Et on verra ce que ça donne. Je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo. Je vous le montrerai dans l'utilisation de prochains pains. Et je vous signalerai que c'est une mousse qui a été conservée au réfrigérateur. Et on verra si c'est toujours aussi actif. Vous voyez, mon but c'était d'avoir une levure déjà active afin de pouvoir donner différents goûts à mes pains. Rajouter les farines que je veux, obtenir différents alvéolages, différentes couleurs en mie et en croûte. Et je suis très content du résultat. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va refermer tout ça. Je vais les étiqueter, les placer au réfrigérateur et on verra ce que ça donne. Vous voyez, celle-ci est retombée un tout petit peu parce que je l'ai secouée. Là, ça n'ira pas. La mousse à pain vous permet d'obtenir des pains comme ceci. Donc, c'est très facile à faire, très facile à utiliser. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser la mousse à pain et comment l'introduire dans la pâte.